Écolégramme est une association qui récupère des déchets industriels et qui propose ces déchets comme support de création artistique. Donc les adhérents de l'association viennent se fournir, trouvent des matériaux, peuvent les acheter et ensuite vont faire des créations avec tout ça. Notre chiffre d'affaires est de 160 000 euros. Nous sommes 7 salariés actuellement, 30 bénévoles actifs, 3800 adhérents. Nous avons un réseau de 300 entreprises environ. Nous récupérons 300 mètres cubes de déchets par an. Nous avons des publics très variés, des crèches ou des écoles, des centres de loisirs. Nous avons aussi le monde de la santé avec toutes les structures de personnes handicapées. Et puis les particuliers qui viennent parce que ce sont des bricoleurs et qui adorent bricoler et trouver aussi, chiner des matières qu'elles ne trouveront jamais dans les commerces. Je fais des tableaux sur ces ardoises magnifiques d'une église. C'est le toit d'une église qu'ils ont changé il y a 2 ans. L'intérêt de ce local, c'est d'avoir une multitude de matériaux qui vont stimuler la créativité. Nous allons dans les entreprises chaque jour récupérer des matières qui peuvent être du bois, du plastique, du textile, du carton, etc., qui sont toutes les chutes de production. Et nous les rapportons dans notre local où nous allons les conditionner pour que les adhérents puissent venir en chercher et être créatifs avec ça. Même chose comme d'habitude. Je me suis aperçu que c'est dommage d'y jeter, quoi, qu'il y a d'autres gens qui pouvaient récupérer. C'est ce qu'elle m'a prouvé, parce qu'elle a fait des choses que j'ai vues, moi, avec de la récup, et j'ai trouvé que c'était sympa. Donc c'est pour ça que je leur file énormément de toutes mes chutes de tissu, mousse, des choses comme ça. Quand elles ont besoin, elles appellent. L'association Écolégramme a donc 4 postes de financement principaux, qui sont donc les cotisations des adhérents, l'animation enfant, c'est-à-dire que nous allons chaque jour dans les structures avec nos matériaux, que ce soit des crèches, des écoles, etc. La formation professionnelle, où là nous intervenons avec des professionnels de l'enfance pour leur transmettre un peu notre manière aussi de travailler et l'envie de travailler avec ces matériaux. Et le 4e poste, c'est le plus important, c'est donc la mise à disposition des matériaux aux adhérents qui viennent s'approvisionner en matière. Oui, je pense que ce dispositif est reproductible ailleurs, mais il impose quand même d'être dans une zone, quand même dans une région industrialisée, puisqu'il faut quand même un bon réseau d'entreprises. Les plus-values sur ce projet sont le fait de prendre un déchet et nous redonnons une valeur à ce déchet par le regard de la création artistique.